Bienvenue à la ferme du Béquelouin. Nous sommes paysans en Normandie. Nous cultivons en agriculture biologique et nous sommes également professeurs de permaculture. Et la permaculture, c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Ce film est le premier d'une série consacrée à la permaculture, aux micro-fermes et à toutes ces pratiques culturales assez originales que nous testons ici et qui permettent de produire beaucoup sur très peu d'espace avec des moyens vraiment naturels. La permaculture propose de prendre la nature comme modèle. Alors, pourquoi donc prendre la nature comme modèle? Ben parce que la vie est apparue sur cette planète il y a plus de 3,8 milliards d'années. Et ça a donné ça, ce monde incroyable qu'on a la chance d'habiter. Elle a surmonté d'innombrables obstacles pendant toute cette évolution et elle n'a eu de cesse d'évoluer vers des formes de vie de plus en plus sophistiquées. Et même réussi à coloniser tous les milieux possibles, depuis la très très haute atmosphère jusqu'aux fosses marines les plus profondes. Et on peut considérer que la nature, c'est un réservoir de solutions absolument incroyables, des solutions simples, efficaces, longuement éprouvées dans toutes les conditions possibles et imaginables, et qui peuvent nous inspirer, à nous autres êtres humains, et bien des solutions justement pour sortir par le haut de cette méga crise sociale, environnementale qu'on a nous-mêmes générée. Et si la permaculture propose de s'inspirer de la nature, de se mettre à son école, c'est pour imaginer des installations humaines qui fonctionnent, tant que faire se peut, comme des écosystèmes. Pour cela, encore faut-il bien connaître et comprendre les milieux naturels. Les écosystèmes fonctionnent en boucle. Ils sont très économes en intrants, très économes en énergie, généralement productifs, autonomes, résilients. Et en plus, chaque écosystème apporte une contribution à la vitalité, à l'équilibre de l'ensemble de la biosphère. Et leur grand secret, c'est que tous les composants de l'écosystème sont reliés. Ils interagissent. Chaque élément profite des uns, mais il profite également aux autres. Les déchets de l'un sont les ressources de l'autre. Et le tout est plus que la somme des parties. La forêt-jardin dans laquelle nous nous trouvons, bien, c'est une imitation de la forêt sauvage. Les écosystèmes naturels produisent généralement deux fois plus de biomasse à l'hectare que nos agrosystèmes cultivés. Parfois d'ailleurs même davantage. Bien sûr, tout cela se fait sans engrais, sans travail du sol, sans arrosage, ni aucune intervention humaine. Et cette forêt-jardin, eh bien, elle fonctionne comme une forêt sauvage, avec ses étages de végétation. Mais la différence, c'est que tous les végétaux de cette forêt-jardin sont comestibles. Et ce système illustre parfaitement l'esprit de la permaculture. C'est s'inspirer de la nature pour subvenir à nos besoins sans dégrader la planète. Ce qui fait la richesse d'un écosystème naturel, c'est sa biodiversité, bien évidemment. Mais c'est tout autant le réseau de connexions extrêmement dense qui relie tous les composants du système. Et ça permet que chaque fonction importante au sein de cet écosystème soit remplie par plusieurs éléments. Et chaque élément remplit généralement plusieurs fonctions. D'où une capacité de résister aux crises comme les aléas climatiques. Plus la biodiversité est grande, plus la résilience d'un milieu naturel est importante. Alors si on applique ça à nos installations humaines, ça veut dire forcément chercher le meilleur positionnement relatif des éléments les uns par rapport aux autres, de manière à ce qu'ils puissent interagir. Si les éléments sont mal positionnés dans notre système, les connexions ne se feront pas. De ceci découle le fait que la permaculture soit avant tout une histoire de design. Design, c'est un mot qu'on aime beaucoup en permaculture, c'est un anglicisme qui veut dire dessin, conception. Le fondement de la permaculture, c'est de réfléchir intensément en amont à la conception de nos installations humaines. Et tout cet effort mis dans la conception va permettre d'avoir des installations qui, pendant toute leur durée de vie, vont être économes en énergie, en travail, en intrants, et plus autonomes, plus productives et finalement plus durables, à l'image de la nature. De cette durabilité découle l'étymologie même du mot permaculture. Les deux fondateurs australiens de la permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, ont forgé ce mot à partir de agriculture permanente.
pour être vraiment exact, ça avait été forgé en 1911 par deux agronomes américains, mais ils ont repris cette notion d'agriculture permanente. Et puis, au bout de quelques années, ils ont réalisé que finalement, l'art de la permaculture allait bien au-delà des jardins et des fermes. Il pouvait s'appliquer potentiellement à toutes les installations humaines, comme les villes, les entreprises, les communautés et même des événements immatériels. Voilà ce qu'est la permaculture, c'est l'art d'imaginer une culture durable, une culture permanente. Voici un exemple simple mais fort intéressant de l'importance d'un bon positionnement relatif. Le verger et les poules. Que font les poules dans le verger? Toute la journée, elles se baladent, elles grattent, elles enrichissent le sol de leur fiente, mais surtout ce qui nous intéresse ici dans l'interaction, c'est qu'elles mangent les vers des premières pommes qui tombent souvent, elles sont véreuses, ces fameuses premières pommes. Donc, tout en se nourrissant elles, elles assainissent le verger. L'interaction entre les deux éléments est absolument incroyable. Elles se nourrissent, elles assainissent le verger, elles le fertilisent, tout le monde est gagnant. Et bien évidemment, pour que ce fameux positionnement relatif et ces interactions soient réellement bénéfiques, encore faut-il que le poulailler soit à proximité du verger. Et c'est là qu'intervient l'importance d'un excellent design. Les poules, les poules, les poules ! 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 On peut aller encore plus loin dans les connexions et s'amuser un petit peu plus. Ici, par exemple, dans la grande serre, on a installé un poulailler. Alors, un poulailler dans une serre, c'est assez incongru, mais ça offre en fait tout un tas d'avantages. L'un des avantages, c'est qu'on a une fabrication de compost in situ. On n'a même plus à sortir les déchets végétaux de la serre. Nos petites poulettes, nous les compostons directement sur place. On nourrit les poules gratuitement et on a une fabrication d'un compost absolument extraordinaire. Tenez les poules, bon appétit, de la verdure, des concombres. Parce que les poules grattent, fertilisent avec leur fiente, périnent, ajoutent des micro-organismes, et on a un compost qui est une véritable bombe. Alors bien sûr, elles ont tout un parcours extérieur également. Ça va les poules? La vie est belle? Et puis bien évidemment, elles nous donnent des œufs. Mais c'est pas tout, il y a encore d'autres avantages. Un autre intérêt de notre fameux poulailler, c'est que la chaleur corporelle des animaux en hiver est intéressante pour contribuer à avoir un climat un petit peu plus agréable dans la serre. Alors vous allez me dire, les poules sont toutes petites, effectivement, mais on a prévu le poulailler suffisamment vaste pour pouvoir mettre des moutons ou des cochons ou voir les poneys les nuits froides d'hiver, et il contribue à maintenir la serre hors gel. Là-haut, on a encore un étage de culture. Nous ne voulions surtout pas perdre de surface cultivée sous serre, parce que pour nous, la serre est quand même un élément important de notre dispositif. Et donc, on a aménagé des bacs ici pour démarrer nos jeunes plants. Avec un grand intérêt, c'est que la température monte, et en hiver, on a 5 degrés de plus, de jour comme de nuit, ici, ce qui permet de démarrer les plants de manière précoce, avec pas une goutte d'énergie fossile. Donc, ces quelques degrés gagnés sont particulièrement intéressants. En positionnant des animaux au cœur de la serre, on a cherché à renaturer cette espèce de grande bulle de plastique qui est bien évidemment très artificielle par nature, mais néanmoins très importante pour nous parce qu'on est en production 12 mois sur 12. Alors dans le même ordre d'esprit, on a planté pas mal de vignes dans la serre et l'année dernière, on a eu 240 kg de raisins, elles donnent bien. C'est une forme d'agroforesterie, c'est le principe des cultures étagées. On a également creusé une mare juste à l'entrée de la serre. Il y a pas mal de grenouilles dedans, et alors la nuit, c'est rigolo, elles rentrent dans la serre et puis elles mangent les limaces, et puis le matin, quand on arrive, on les voit toutes sortir à la queue leu-leu. Ça illustre un principe important
de la permaculture qui est chaque élément remplit plusieurs fonctions. Voilà les fonctions remplies par les poules. Elles donnent un excellent compost, des œufs, leur chaleur corporelle. Elles désherbent et elles fertilisent les cultures autour de la serre. Et puis elles boulottent les limaces téméraires qui chercheraient à s'aventurer au cœur de la serre. Voilà. Et puis il y a un autre principe qui va avec le premier, c'est que chaque fonction importante est remplie par plusieurs éléments. Par exemple, pour la fertilité, on a d'autres sources de fertilité, on ne dépend pas que des poules. Pour contenir les limaces, on a également des canards coureurs indiens, par exemple, qui sont des mangeurs de limaces qui vivent là-bas dans les jardins. Ils ont même une petite île privée qui flotte au milieu de la mare. La permaculture, c'est beaucoup d'observation. C'est essentiel, l'observation. En fait, on remplace les matières premières et les énergies fossiles par de l'intelligence, de la réflexion, de la créativité aussi. Le design, chaque design, c'est le fruit d'une patiente enquête, une minutieuse enquête sur le lieu, sur ses habitants et sur toutes les ressources disponibles, les contraintes également, les opportunités. C'est un processus évolutif. C'est jamais acquis, on le remet sur le métier et on cherche à tirer la quintessence du potentiel de chaque réalisation. Et tout cet effort de conception en amont va permettre d'obtenir pendant toute la durée de vie du système quelque chose de beaucoup plus autonome, durable. Finalement, devenir permaculteur, c'est se mettre à l'école de la nature, c'est en comprendre le fonctionnement. Les principes de la permaculture sont simples, hein. D'ailleurs souvent des gens viennent me voir et me dire « Ah, mais moi je faisais de la permaculture, je ne le savais pas !» Tout simplement parce que c'est du bon sens. Mais ces principes-là, ils sont très efficaces. Vous pourriez vous imaginer cette permaculture comme une boîte à outils qui au quotidien va vous donner les outils et les moyens pour recréer, imaginer la vie à laquelle vous aspirez. Une vie qui va vous permettre de vous épanouir, de respecter votre environnement, notre planète et les autres. Voilà ma brouette atelier. Là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour pratiquer mon métier. Ce que j'aime dans cette approche permaculturelle, c'est qu'elle est très low-tech. On fait tout à la main avec des outils simples et souvent des vieux outils achetés quelques euros à la foire à tout du Bec-et-Loin. Et ça ne nous empêche pas pourtant d'être efficaces et de produire autant de légumes par heure travaillée que nos confrères qui ont des gros tracteurs. Parce que on compense, je dirais, l'aspect très low-tech par l'intensité du design et par le fait qu'on cherche vraiment à tirer parti des services rendus par les écosystèmes. On a des milliards et des milliards de collaborateurs invisibles qui sont les vers de terre, les bactéries, les champignons, etc., qui travaillent pour nous jour et nuit, 7 jours sur 7. Donc, on n'a pas la puissance du moteur thermique, mais on a tous ces alliés qui travaillent avec nous dans le même sens, plus de fertilité, plus d'abondance. La permaculture, finalement, marque une rupture profonde avec la société de consommation. L'homme moderne, si l'on y réfléchit bien, a cessé d'artificialiser la nature, remplaçant systématiquement le vivant par des technologies. Avec les résultats que l'on sait, en quelques décennies, les grands équilibres de la planète ont été littéralement bouleversés. Et aujourd'hui, nous autres occidentaux, on consomme trois planètes. C'est-à-dire que notre empreinte écologique est de trois planètes. Donc, comme on n'en a qu'une, il devient très urgent de diminuer rapidement notre empreinte écologique, de diviser par trois notre empreinte écologique. Et la permaculture est peut-être le meilleur outil pour ça qu'on ait à notre disposition. Et je voudrais souligner le fait que rentrer dans une démarche de transition, ce n'est pas du tout une punition qu'on s'imposerait. C'est quelque chose, au contraire, un processus libérateur, heureux, voilà, et qui rend la vie belle. Et j'insiste là-dessus parce que moi, j'adore cette idée de rentrer en transition. Et en fait, en quelque sorte, la permaculture, c'est comme un nouveau logiciel qui nous permet d'inventer le monde de demain. Alors, ça n'est pas un cumul d'outils, de savoir-faire et autres. Non, c'est vraiment un système global, conceptuel. Inventons le monde de demain dans sa globalité.
Et cette globalité, elle intègre tout ce qu'on connaît déjà, toutes les pratiques vertueuses qui sont déjà en train d'être mises en place. On peut penser à l'agriculture biologique, aux énergies renouvelables, à l'éco-construction. On peut même parler d'économie, les systèmes d'échange libre, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Et ça va même jusqu'aux relations entre êtres humains. Et on peut parler là de la communication non violente, par exemple. Et nous-mêmes, on a longtemps cherché notre juste place, la meilleure manière d'habiter la Terre. Une manière qui soit équitable, juste, à la fois pour nous, pour les générations à venir, et puis pour toutes les plantes, tous les animaux, jusqu'aux petits vers de terre. Et quand on a rencontré la permaculture, waouh, c'est comme si tous les morceaux du puzzle s'assemblaient et on trouvait une cohérence merveilleuse qu'on n'avait jamais atteint auparavant. Et ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est que Bill Mollison et David Holmgren, les pères fondateurs de la permaculture, ont posé une éthique très claire et très forte. Ils ont dit que cette permaculture, elle se basait autour de trois principes. Prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Et véritablement, cela nous a inspiré tout au long de notre cheminement. J'espère que ce sera le cas pour vous également. Dans le prochain film, on vous invite à une balade dans la ferme et on vous expliquera comment on a cherché à y appliquer les principes de la permaculture. Au revoir. À bientôt et prenez soin de vous et de la terre. Cette série de films met en image notre livre « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes ».